J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine. J'espère que les études sont pas trop dures sur vous autres parce que, mettons que nous autres, on a hâte que la semaine d'études arrive. Un matin, on s'en va manger à l'auberge pour ceux de la région chaleur et savent, vous savez c'est quoi. Puis, on a comme but aujourd'hui d'étudier un petit peu à l'auberge. Puis après ça, mon père a besoin d'aide pour déménager un meuble, fait qu'on va aller l'aider tantôt. C'est ça, si jamais ça vous intéresse de me suivre dans ma petite journée, ben restez là. Mon chargeur de batterie dedans, fait que faudra que je le trouve pour charger ma caméra. Depuis que j'ai été à Fondy, comme je sais qu'elle était de mon char parce que on tenait la caméra, comme Demi tenait la caméra, puis ma caisse était en arrière, ben là elle est comme plus en arrière, fait que je sais pas ce que je vais être avec, mais en tout cas. Ça fait que c'est ça, faudra que je gère cette situation et je charge ma batterie. Mais pour l'instant, on va prendre mon cellulaire. So là, on s'en va à l'épicerie parce que sa maman. Moi, je t'ai fait depuis tout à l'heure. Sa mère a besoin de manger. Juste ma mère. On fait son épicerie, c'est ça que je veux dire. On est le 17 octobre. J'ai pas pu comme changer ma caméra encore, ça fait qu'on continue le vlog sur mon cellulaire. J'ai décidé que le vlog allait être de toute la fin de semaine parce que j'ai comme plusieurs petites affaires à faire comme dans chaque jour, mais comme rien assez de faire un vlog, ça fait qu'on continue aujourd'hui. Aujourd'hui, le plan, on s'en va à Chupagan parce que monsieur ici a des trucs à faire pour l'Uni. Puis moi, je vais aller chez mon ami qui reste à Chupagan en attendant. Puis là, ben, on s'en va au Grain de Folie à Caraquet parce qu'on veut aller chercher un petit café. C'est comme pas mal délicieux, le café et les pâtisseries qui sont. So, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Deux jours passés, j'ai reçu mes photos mes photos du Jean Coutu. Là, j'avais pris une petite photo à Québec sur ma Kodak, là, puis je vous avais montré que j'avais été l'apporter au Jean Coutu. Puis j'ai reçu ces photos-là, puis j'ai filmé, ça, là, je pense que c'était comme deux, trois jours passés, là, j'ai filmé quand je les ai reçus, puis je vous montre ça dans ce petit segment-là de vlog, là, sauf comme je vais vous montrer ça, puis après ça, on reviendra à la journée d'aujourd'hui. C'est parti! Guess what I have? J'ai été les chercher le 12, fait que deux jours passés, puis j'en reviens pas comment les photos sont belles. Comme j'ai pas le choix de vous en montrer une couple parce que j'ai chaviré. On va dire ça de même. Je m'avais acheté un petit album comme ça. Je vais le remplir avec mon voyage à Québec. Puis là, je vais vous montrer les photos parce que ils sont incroyables. Mettons, ça c'est comme une des premières photos qu'on a prises. On a été à l'aquarium de Québec. Fait que ça, c'est mon chum devant l'aquarium. Ensuite de ça, ça c'est moi devant Château Frontenac. Comme, gardez-moi comme la belle qualité de photo. Comme, c'est incroyable. Et mon chum aussi en voulait une devant le château. Puis ça fait vraiment des photos comme vintage. Là. Il y a comme un petit effet
je sais pas, vieillot, puis comme, on dirait que plus tard, on regarde ça, on dirait que ça va être des beaux souvenirs à regarder, là. C'est comme dans le temps qu'on faisait des albums photos. C'est dans le vieux Québec, là, vous voyez, ma petite personne. Après ça, on avait été déjeuner. Puis le but un petit peu de ma caméra, c'était comme de prendre des photos un petit peu funny, puis comme pas nécessairement juste des photos comme souriant devant tel monument, par exemple. Je voulais vraiment avoir des souvenirs comme comiques, puis comme un petit peu plus relax. Fait qu'on était à Entourage sur le lac, là, ça c'était notre. C'était un resort, là, il y avait. C'était comme vu sur le lac, puis il y avait une piscine, il y avait un lac justement où tu pouvais faire du paddleboard. Il y avait comme des petites chaises, il y avait comme une petite plage, en tout cas, c'était vraiment, vraiment nice. Il y avait des hamacs. On a passé 2 jours là. Ça, c'était la vue sur le lac. On a été aux galeries de la capitale. Puis là, ben, une petite photo de moi devant. Puis ma photo préférée, je vous jure, j'ai reçu ces photos-là. Je les ai ouvertes dans le parking du Jean Coutu parce que c'est là que j'ai été les chercher. Puis je vous jure, j'ai braillé dans le parking à force que les photos étaient magnifiques. Comme moi, je m'attendais à zéro pile bord pour ces photos-là. Comme on dirait, je m'attendais pas que ça allait être beau. Pour aucune raison valable. On dirait comme je n'avais jamais utilisé une caméra comme ça. Puis finalement, c'est mes photos préférées à vie. Comme, regardez celle-là. Je l'ai mise sur mon Instagram là, parce que elle est tellement belle, comme le petit effet. Puis on dirait chaque photo a comme un souvenir qui est relié. Comme là, je me souviens, cette photo-là, on avait demandé à un petit monsieur qui était comme sur la plage avec nous autres de nous prendre en photo. Puis il avait pris celle-là, puis il avait pris deux, lui, il avait juste pris une photo de nous autres qui sourit. Puis on dirait, je sais pas, comme juste le fait que chaque photo est rattachée à un souvenir, c'est comme spécial un petit peu. On a été manger au Ciel, c'est un restaurant. Mon Dieu, ma caméra en train de. C'est un restaurant à Québec, sur le toit du Concorde. Ben, pas le toit, là, mais c'est comme. En tout cas, le restaurant, il tourne. Puis comme ça, tu peux voir toute la ville de Québec pendant ton repas. Donc, ça, c'était la vue de notre siège de restaurant, là, comme c'était de ma place, là. Donc, je sais pas si vous pouvez voir le château Frontenac dans le fond ici. Je sais pas si ça focus, mais en tout cas. Tu sais, ça fait vraiment de belles photos, là. Puis, ça, c'est moi. Au restaurant, tu sais, la qualité, la lumière, puis tout, c'était vraiment beau. Fait que c'est ça, j'ai plein de photos. Puis là, je vais toutes les mettre dans mon album. Oui, tes photos, c'est une caméra, c'est le fun parce que c'est de bonne qualité, mais des fois, tu veux juste avoir comme des souvenirs, comme funny, puis que tu pourras montrer à tes enfants plus tard, je sais pas. Tu sais, les albums photos, il y a juste quelque chose de comme, je sais pas, moi j'adore ça. It's a new day pour déjeuner. Je mange une toast au sirop d'érable. jugez-moi pas, c'est mon petit plaisir coupable. Une toast au pain blanc avec du beurre, de la margarine puis du sirop d'érable, c'est délicieux. Avec des pommes tranchées. Aujourd'hui, je vous amène avec moi. Puis là, je sais que le vlog était pas mal une queue tête un petit peu. Mais c'est la dernière journée que je vous amène avec moi aujourd'hui. On est lundi le. Moi, les dates, là, le 18. T'as bien les dates. Je sais quel jour qu'on est, mais les dates, je sais pas. On est lundi. Puis, aujourd'hui, j'ai rendez-vous pour mes braces. Puis, si vous avez suivi ma péripétie de braces depuis les dernières semaines, ben, on sait pas si c'est ma dernière fois au dentiste ou pas. Fait que je vous amène au cas où que c'est ma dernière. Parce que ça serait bien le fun de les enlever. Hello! So là, je viens juste d'arriver par chez nous. Puis là, ben, j'attends mon frère parce que il finit le collège. Puis j'ai des trucs à lui donner. Fait que là, je vais aller l'apporter chez eux. Puis après, faut que j'aille gazer parce que là, il me reste 88 km. J'étais pas mal comme sur la dernière goutte de gaz, mettons. Ensuite de ça, je vais faire ma liste d'épicerie, je pense, puis je vais arriver à mon épicerie comme demain, mais j'aimerais ça que ça soit comme tout prêt. Mon rendez-vous est à 1h15 pour mes braces, ça fait que
J'aimerais ça comme aller dropper mon frère. Là, il est 11h26, puis je pense qu'il finit à 11h45. Mais il m'a dit qu'elle allait finir avant, so anyway. J'aimerais faire ça, aller l'amener, après ça, aller mettre du gaz, être revenu, puis avoir fait ma liste d'épicerie pour avant mon rendez-vous. Comme ça, qu'après mon rendez-vous, je peux comme prendre ça relax, puis ramasser mes affaires, puis ça. Donc, je vous tiens au courant de comment ma journée se déroule. OK, il est maintenant rendu 1h20, puis je vais pas mal décoller après ça, à mon rendez-vous pour mes braids. Hopefully, ça peut être le dernier. Il peut décider, allô, on enlève tes braids right là. Fait que ça, ce serait avant. je sais pas s'il va me les enlever, je sais pas si ça va être dans une semaine, je sais pas si ça va être dans un mois. Mais je vous amène avec moi au cas où que c'est la dernière fois que vous me voyez avec des braids. Quand même très excitant. Je sais pas si vous savez, là, mais ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, septembre, octobre, novembre. Ça va faire 2 ans et 3 mois que j'ai mes braces. Je les ai eues en août 2019. Juste avant que je commence l'uni. Puis là, ben, ça serait peut-être mon dernier rendez-vous. Je suis tellement excitée. Vous comprenez pas. Donc, c'est ça. Finalement, j'ai pas fait ma liste d'épicerie encore, là, mais mec, je reviens de mon rendez-vous. C'est ça que je vais faire. Je vais regarder qu'est-ce qui me reste dans le fridge, qu'est-ce qui me reste dans mes armoires. Je pense qu'à soir, je vais manger mon potage. Je vais me faire un autre potage parce que j'ai comme le goût de manger ça. Puis, ben c'est ça. Fait que là, je m'en vais à mon rendez-vous right now. Puis, je vous donne des updates après. Je vais sortir de mon rendez-vous. Suspense, suspense. Je les ai encore! Oh my god, guys! Je sais pas si vous avez déjà eu des braids, là, ben. On dirait chaque rendez-vous, c'est comme tellement excitant, mais tellement décevant à la fois, là. J'avais tellement d'attentes, je sais pas, pour cette fois-ci. J'ai un prochain rendez-vous dans 8 semaines. 8 semaines. Non, dans 6 semaines. Le 30 novembre, j'ai un autre rendez-vous. Puis, après ça, j'ai un rendez-vous 2 semaines après, puis 2 semaines après, c'est pour les enlever. Donc, j'ai une date. J'ai une date possible maintenant. Ah, ben regarde, qu'est-ce que tu veux? Hein? C'est ça qui c'est? On veut avoir des dents droites, on va les avoir droites. Allô! J'ai enfin pu charger ma caméra. Donc, on est de retour avec ma caméra qui est rendue présentement 4h28. Puis, je suis désolée pour mon allure toute rouge. Je viens juste de me faire la moustache puis me faire les sourcils. Je l'ai fait moi-même. Puis c'est pour ça que je suis rouge. Pour souper, je vais faire mon potage que je vous avais montré dans un de mes vlogs, je me souviens plus quel. Là, parce qu'on dirait j'ai eu une grosse journée, puis on dirait l'énergie commence à me manquer là. Ça fait que je vais prendre la soirée pour moi. Je pense que je vais écouter des vidéos YouTube. Je vais peut-être commencer à éditer mon vlog. Je vais manger mon potage. Je viens juste de finir de le mettre à mijoter là, comme vous avez vu. Ça fait qu'il va être prêt, j'imagine, vers 5h45. Donc, j'espère que vous avez apprécié le vlog. Je sais que c'était un petit peu sans dessus dessous, puis il y avait comme c'était peut-être dur à suivre. Là. Je l'ai pas édité encore. J'espère que ça a bien sorti pareil. Là. Je vais filmer une Q&A bientôt, je pense, vu que c'est comme le début de ma chaîne. Vous me connaissez pas tant que ça encore, là. Fait que si jamais vous avez des questions, ben, vous pouvez les laisser en commentaire. Puis bientôt, mec, j'ai une journée moins chargée, ben je filmerai une petite Q&A. Donc, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous remercie encore pour vos beaux messages
continuelle, là, à chaque jour, j'ai des nouveaux messages de gens qui écoutent mes vidéos. Puis, shout-out à une fille de mon cours qui est venue me dire qu'elle écoutait mes vidéos puis qu'elle aimait ça. Ça fait toujours plaisir, de beaux petits messages. Donc, c'est ça. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée, puis on se reparle dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!